Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec un unboxing de vinyle, donc Muse, The Second Law, album sorti en 2012, qui a marqué quand même un petit changement dans la carrière du groupe, avec quand même un gros accent sur tout ce qui est son électronique, et notamment le dubstep. On peut notamment l'apercevoir dans Madness, mais aussi surtout dans Follow Me. Bref, c'est je pense mon album préféré, malgré que lors des premières écoutes, forcément, j'ai été un petit peu décontenancé, comme je pense la plupart des gens, des fans. Bref, voilà, mon album préféré, donc c'est parti pour The Second Law. Alors j'achèterai probablement les autres albums de Muse. Également sur cette chaîne, je ferai l'unboxing. Hein, donc c'est parti. Hop. Je vais l'ouvrir par là. Ça me paraît être le plus safe. Donc double vinyle, gatefold. Je vous mets le lien Amazon en bas dans la vidéo. Je l'ai acheté à peu près un peu moins de 30 euros, je crois, dans les 27, 28 euros, quelque chose comme ça. Hop. Donc on a une espèce de. Oui, c'est un petit peu. C'est pas quelque chose de mat, c'est un carton un peu brillant, ce qui est plutôt cool. Je n'avais pas remarqué ça avec le cellophane dessus. Alors, je sais pas comment ça va rendre sur la vidéo. Si ça risque de faire un petit peu bizarre. Ça fait un peu illusion d'optique. C'est assez spécial, mais c'est assez cool. Commence avec du coup le premier vinyle et on a alors attendez, il y a beaucoup de choses. On a une petite affiche pardon, avec les trois membres du groupe. Ici, on a les pistes de chansons donc du premier vinyle, si je dis pas de bêtises, avec les lyrics. Ok, très bien, très bien. Et alors, ça, j'aime beaucoup quand on a des cartons personnalisés pour chaque vinyle et pas une vulgaire pochette en carton. Ou en papier, même la plupart du temps c'est en papier. Donc pareil avec ce motif un peu très coloré, très arc-en-ciel, on retrouve. Alors c'est du papier, hein, c'est pas du carton, hein, ça reste du papier. La deuxième face. On attaque avec le deuxième vinyle, encore une petite affiche, c'est pas la même. Et forcément, au verso, la liste des chansons du deuxième vinyle avec les lyrics. Alors là, c'est première face du deuxième vinyle et la dernière face, ou plutôt renversement. Bref, je crois que vous aurez compris. Vous avez remarqué, il y a le petit logo Warner Records. Donc forcément, c'est un pressage récent. Je crois que c'est un pressage de 2020, si je ne dis pas de bêtises. Si vous avez le logo là, comme ça, Warner Records, vous savez que c'est un pressage assez récent et pas un pressage d'origine, puisque c'est le nouveau logo de Warner Bros. Records. Et donc c'est juste Warner Records. Voilà, je vous en avais parlé d'ailleurs dans une vidéo, je crois que c'est un vinyle de Linkin Park, je crois, qui avait le même truc. Ils ont changé de logo, donc sur certains groupes, certains trucs, ils refont des repressages avec ce nouveau logo. Voilà. Et voilà, donc c'est fini pour cette vidéo. Donc là, en fond, vous avez Panic Station, donc c'est un titre très funky sur cet album. C'est un de mes titres préférés d'ailleurs de l'album, je pense. Sachant que mon préféré reste Madness, hein, et d'ailleurs c'est, je pense, Madness, hein, mon titre préféré, ma chanson préférée de ces 10 dernières années, hein, clairement. Donc bref, voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à faire un petit coup, à passer un petit coup sur ma chaîne YouTube. Donc du coup, j'ai pas mal d'autres unboxings de vinyle qui pourraient vous intéresser. Donc voilà, moi je vous remercie encore une fois et à la prochaine pour une nouvelle vidéo unboxing. Salutations.